Merci Monsieur Okana de nous recevoir chez vous. Nous sommes dans le locaux de Anaox, votre entreprise. Vous en êtes le directeur général. Alors, vous êtes spécialisé dans la relation client et vous travaillez comme ça depuis 2016, quand on parle de la création, mais 2019, depuis que vous êtes opérationnel. Alors pourquoi avoir créé donc Anaox et c'était quoi l'idée derrière? Alors déjà, je dirais que c'est un plaisir de vous recevoir dans les locaux d'Anaox. C'est vraiment un grand plaisir. Déjà, nous sommes une agence de la gestion de relations clients. Nous existons depuis 2016. Mais entre 2016 et 2019, ou année pendant laquelle nous avons vraiment démarré avec la relation client, nous avons beaucoup plus exercé dans l'événementiel, avec la production de plusieurs concerts, avec la réalisation de différents concours liés à l'éducation. Et quand vous parlez de concerts, on va se rappeler de ce grand concert que vous avez organisé avec le pasteur Moïse Millet à Pointe-Noire et à Brazzaville. Et justement, nous avons organisé en 2018, juillet 2018, deux grands concerts avec le pasteur Moïse Millet. Et là, c'était sous le label 360D parce que le plateau événementiel d'Anaox est géré par 360D. Mais alors, qu'est-ce que vous offrez à vos clients? Quand un client vient à Anaox, qu'est-ce qu'il a comme service? Alors, chez Anaox, nous avons l'habitude de dire que nous créons, nous consolidons et nous renseignons la relation humaine à distance. Nous offrons des prestations généralement à distance, toujours allant dans le sens de la relation client. Parmi les services qu'on offre, nous avons le télésecrétariat. Le télésecrétariat, c'est un service qui met à la disposition des entrepreneurs, des entreprises, des secrétaires à distance. Donc, ces secrétaires à distance, elles font tout ce qu'une secrétaire traditionnelle peut faire, mais avec un peu plus. Vous voyez, avec le télésecrétariat, nous avons beaucoup de possibilités qu'on offre aux entrepreneurs. Il n'y a pas de charge sociale, plus besoin de se tracasser pour les cotisations sociales liées à l'embauche d'une secrétaire. Nous faisons tout et l'entreprise n'a même pas besoin de nous fournir le matériel nécessaire à la réalisation de ses missions. Donc ça, c'est ce qu'on offre au niveau du service télésecrétariat. Excepté cela, nous avons également le service de téléprospection, nous avons le social média, nous avons les enquêtes et sondages téléphoniques, nous avons un nombre assez important de formations que nous offrons dans le domaine des métiers de la gestion de la relation client. Et nous avons également un plateau graphique, c'est là que nous concevons des visuels pour des entreprises. Et quand vous parlez de formation, tout à l'heure, nous avons assisté à une formation que vous donnez à... Et ce sont des agents de Anaox ou bien des Congolais lambda qui viennent pour se former à ces métiers qu'il faut se le dire, c'est quand même des métiers novateurs ici à Brazzaville. Bon, il faut signaler que nous faisons quand même partie de ces jeunes Congolais qui ont bénéficié d'un appui par des formations et des stages. Nous avons voulu également à notre tour faire la même chose. Et c'est aussi un moyen pour Anaox de dénicher des talents. Le télésecrétariat, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu ici au Congo. Déjà, quand on parle de télésecrétariat, les gens nous regardent en disant « celui-là vient de quelle planète ?» Donc, nous formons les jeunes, pas pour les laisser après. Déjà, on les forme pour les garder auprès de nous pour que nous puissions travailler ensemble. Et ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui ont manifesté le besoin de se faire former, qui ont apprécié
les métiers de la relation client et ont manifesté le souhait de se faire former par nous. Et ces métiers-là, vous pensez que c'est un métier qui a de l'avenir à Brazzaville ou Congo en général? Est-ce que il y a de la demande? Justement, il y a une réelle demande au niveau du télétravail au Congo. Déjà, avec l'épreuve que nous vivons aujourd'hui, celle du coronavirus, beaucoup d'entreprises sont en train de demander à leurs travailleurs d'exercer depuis chez eux. Et nous avons ici l'habitude de tout faire à distance. C'est quelque chose qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Et aujourd'hui, avec la digitalisation, la plupart de nos structures privées et publiques sont en train d'emboîter le pas de la digitalisation. Et là encore, on a besoin des téléopérateurs pour pouvoir travailler, renseigner les clients, traiter les préoccupations des clients à distance. Alors, qui sont vos clients? Nos cibles, c'est l'entreprise congolaise déjà, l'entreprise congolaise, l'entrepreneur congolais, l'artisan congolais, le peintre qui est un artisan congolais. On peut se demander pourquoi un peintre? Ben, le peintre, lorsqu'il exerce, il peut avoir un marché qu'il doit solliciter quelque part. Le peintre doit répondre au téléphone, mais il ne peut pas le faire lorsqu'il est sur un échafaudage pour travailler. Et nous mettons à la disposition de ces entrepreneurs-là des secrétaires à distance qui feront tout ce travail à leur place, et eux, ils ne seront là que pour faire le travail, en fait, pour répondre à leur cœur de métier. Dans le cadre de son partenariat stratégique avec la Commission européenne, l'IMF s'est fixé l'objectif de venir soutenir les jeunes et les entrepreneurs pour apporter des solutions concrètes et innovantes à des problèmes quotidiens. C'est dans ces contextes qu'elle lance en partenariat avec la mairie de Brazzaville une étude sur les acteurs et dispositifs locaux d'accompagnement, de financement et d'aide au développement des entrepreneurs et start-up en République du Congo. Cette initiative de l'IMF est mise en œuvre par le consultant d'Esther Trésor Omono, CEO de Kosala et son équipe d'experts. L'étude se fera d'une manière hybride, en ligne et en présentiel sur le plan national à travers des outils numériques mis en place par l'équipe du consultant. L'opération s'étendra sur une durée de 2 mois à partir du 5 septembre 2021. Vous êtes start-upper, innovateur ou vous dirigez un incubateur, pépinière d'entreprise, plateforme de financement ou une association professionnelle liée à l'encadrement et l'accompagnement des entreprises. Faites-vous connaître et faites connaître aussi vos activités et projets en participant à cette étude de l'IMF. Pour toute information, pour ma ville, je me fais connaître. Vous avez commencé à exister, je disais tout au début de notre entretien, en 2016, en 2019, opérationnel sur le plan notamment de télétravail. Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, ça fait combien, ça pèse combien votre société? En termes de chiffre d'affaires, nous sommes à des millions, mais permettez-moi de ne pas dire le nombre exact. Ah, souvent en Afrique, on ne parle pas d'argent, on n'aime pas. On est trop, on a la pudeur pour parler de l'argent. Oui, bon, vous savez, l'Africain a ses us et coutumes. Donc, on ne va pas parler du chiffre, mais la gestion de la relation client au Congo, c'est quand même des millions de francs CFA en chiffre d'affaires. Quelles sont les perspectives pour les années qui viennent? Est-ce que vous avez des idées à moyen, court, long terme pour évidemment améliorer vos services auprès de vos clients? Vous savez, comme toute entreprise, dans les premières années, c'est pas vraiment ce qu'on a toujours pensé. Mais nous estimons que dans les années à venir, Anaox va se créer une place au sein de la PME congolaise, et il n'y aura que des bonnes choses. Déjà, ce que nous sommes en train de faire, déjà je vous ai parlé des formations que nous faisons. Le but des formations, c'est déjà améliorer nos différentes prestations. En recrutant d'abord la crème des crèmes pour pouvoir rendre un meilleur service à nos clients.
Donc, nous sommes en train de former les jeunes. Nous avons même prévu qu'il y ait des formateurs étrangers qui viennent pour pouvoir renforcer encore les capacités de notre équipe afin d'améliorer la capacité, la qualité, je voulais dire, des services que nous rendons à notre clientèle. Monsieur Samarange Okana, merci de nous avoir reçus sur vous.